C'est ainsi, c'est les hasards des statistiques, blablabla. Voilà, pour résumer le fond de ma pensée. Je vais vous remettre mon écran de plein jeu. Football, la France a gagné 2-1 contre le Brésil au niveau de l'équipe féminine nationale. Et ben bravo à ces demoiselles et ces dames. Enfin, plutôt mesdames, maintenant on dit, c'est vrai que demoiselle est plus. N'est plus hésité. C'est triste, mais bon, bref, c'est un autre débat. Alors, flat out, qu'on fasse mumuse comme des petits fous. Voilà. Je vais remettre le son. La régie son, elle est où? Elle est là. Elle est là. Je vais rebasculer dans les cages à miel. Il y aura. Ce qui va déjà grandement vous arranger. Je remets mon habillage de chaîne. Ouais, c'est PC, tu m'étonnes. Je remets le chat pour pouvoir vous lire et pas vous mettre devant. Ce serait sympa. Ah, j'ai mon résumé de scan antivirus qui s'est fait. Les petites bricoles, c'est sain, c'est nickel, c'est parfait. Bah tiens, je vais remettre l'exemplaire de copie par-dessus. Eh ben c'est bien, faire mumuse à taupe froissée, là. Le flat out tutu. Ma manette de jeu, elle est à côté de moi. Incroyable, cette préparation de professionnel. Sauf qu'il n'y en a pas, c'est juste que ma manette, elle traîne tout le long de la semaine quand je joue pas sur le côté. Un joueur... Je me souviens même plus qu'on pouvait faire du multijoueur, c'est vrai. J'ai jamais expérimenté sur Flat Out 2 un multijoueur. Peut-être faudra que j'essaye un jour. Avec peut-être l'un d'entre vous qui avait la sympathie de me regarder. Allez, les courses de rue, elles étaient pas mal. On va les refaire. Ah, c'était la folie la dernière fois. J'avais adoré. On y retourne, sympathie, mon kiki. Je redeviens tout fou devant vous, moi, avec ce jeu. Ladies and gentlemen, start your engine. Comme ils disent aux États-Unis. Oh, violence routière, ça commence. Je suis en transe, complètement. Comme ça, il a illuminé. Oh, je lui ai arraché sa portière. J'ai bien fait plus à deux. Il avait qu'à pas être sur ma trajectoire. C'est un défouloir. La vache, où tu m'étonnes. Mumu, c'est moi la bête à cornes ici. C'est moi qui vous encorne. Oh! Trop fort. Oh là, même moi je me suis encastré. Lancez la vachette. Allez, deuxième service. Oh. Bon, hé, c'est un jeu de course là. Il faut que je prenne la tête de la course, pas défoncer tout le monde. C'est pas le but du championnat. Oh, une explosion. Oh, je suis passé. La fumée se dissipe. Bon, on commence fort. Je suis d'accord, le baron. Je suis en grande forme. Il y a trop de débris. Ça fait dériver ma trajectoire. Ah, comme vous pouvez observer, il y a une variante de tracé. Il y a moyen de bifurquer à droite ou à gauche. Et chez chaque bon. Voilà, il y a trop de coupons de travaux là. Je reprends ma course. Mon rythme de croisière. La fatigue. Et je te vois, monsieur Jack Burton. Mon vidéo de la série. Le pire, c'est que voilà, je devrais pas m'acharner à les bousiller, mais c'est plus fort que moi. Je dois vraiment gagner la course là, donc je vais arrêter de faire le foufou auto-tamponneuse. Faut que je. Oh là là, oui, peut-être que les autres nous jalons, qu'on a la même course. Ça va se retourner contre moi l'idée de. De faire le.
L'emboutisseur, je me surnomme comme ça. Oh, je rêve ou c'est un canard en plastoc? Allez, ah, oh la moquerie des développeurs, j'avais jamais fait attention. Il y a des canards en plastique dans les mares au niveau des routes en travaux. Oh l'autre, il passe sous les tribunes, vous avez vu? Il s'est faufilé sous les tribunes, le mec. Oh l'entourloupe, j'avais pas vu ça non plus. J'avais complètement oublié que c'était possible. Ah bah je me rattrape les gars, vous êtes mous. Je viens pas croire que je suis plus rapide que le Formule 1. On ralentit un peu là. J'en ai envie de tirer deux pour le prix d'un. Oh Sofia Martinez, qui ne m'aura pas. Et je vais te doubler. J'ai une plus grande puissance moteur visiblement. C'est ça qui est bon. J'ai très bien optimisé mon bolide. Je fais un saut. Oh. Et de nager. Pour information, il y a le Grand Prix de Belgique demain. 15h. Ah, le circuit merveilleux de Spa-Francorchamps. Enfin, je pense que le Grand Prix de Belgique a encore lieu à Spa-Francorchamps. Parce qu'ils ont d'autres bons circuits. Oh mon dieu. Ils ont d'autres bons circuits des Belges. Dont le tracé de Zolder. En Belgique flamande, alors que Spa-Francorchamps est en Belgique wallonne. Et oh merde, je me suis retourné comme un caca moi aussi. Mais il y a trop de débris sur cette piste, ça devient injouable. Et oui, donc notre professeur Alain Prost en Formule 1. Notre adorable Alain Prost, c'est merveilleux, ce garçon est génial. Alain Prost qui disait que c'est son tracé automobile favori, Spa-Francorchamps. Pour lui, c'est plus beau. Aussi bien visuellement que, on va dire, techniquement, à piloter en sensation. Mais je pourrais vous en parler quand je ferai un peu plus de vrais simulateurs de sport auto. Enfin, qu'on y revienne, là aussi. Ah là là, j'aurais tellement de choses à vous dire sur les circuits automobiles. Eh, je suis que quatrième, vite, faut que je les dépasse. Non ! La cascade, les travaux m'ont fait perdre mon... Oh là là, je vais tout perdre. Bah, ça se passait bien les tours précédents, c'est que ma voiture est trop endommagée. Je peux plus atterrir tout droit, j'ai dû casser les amortisseurs. Oh non, je vais être mal classé, c'est injuste. Injuste ! Non ! Mais non ! Mais non ! Je l'ai percuté alors que je voulais le dépasser, j'aurais dû arriver avant lui. Enfin avant elle, c'était Katie. Et du coup, Katie, je l'ai poussé devant moi. Mais quel abruti je fais ! C'est bien fait pour ma gueule. Ouais, je joue mal. Ou l'autre, d'entrée de jeu, il emboutit son pare-choc arrière. Ah bah, je vois que je suis pas le seul à... à plaquer les concurrents dès le départ. Excellent. Chez le bonjour, chez le bonjour, chez le bonjour. C'est la violence routière. Alors qu'on pouvait observer un joli bus. Un joli bus bien modélisé. Redoutable virage en épingle là, que celui-là, on dirait pas, mais... Et encore, on le fait pas intégralement. On a vu avec la caméra extérieure que l'autre variante de circuit, c'est un véritable virage en épingle bien serré. Donc les prochaines courses promettent d'être techniques. Il va falloir les maîtriser et bien mémoriser le tracé. Thank you.
Excellent. Oh là là, on n'est même pas à la mi-course, elle ressemble déjà à une compression César sur roue, madame. Je crois que j'ai plus de portière. Est-ce que la porte... Ah non, non, j'ai plus de portière. Si, ah si, pardon, j'ai mal dit. J'ai rien dit. Il me reste côté passager. Oh là là. Par contre, j'ai hâte de revoir les canards en plastique au niveau de la mare, là, dans la zone en travaux. Canard en plastoc. J'ai bien vu des canards en plastoc. Oh la moquerie. Les vilains. N'importe quoi. Wow. Oh, il y a eu une explosion derrière moi. Je me demande bien ce qui a pu exploser. On va devoir descendre peut-être en bord de piste. Oh, le panneau publicitaire, comment qu'il a été remballé. Oh, il y a une pilote qui s'est tuée, qui a été éjectée hors de son véhicule. C'est le cri qu'on a entendu. Ah bah, l'autre qui a sauté directement dans les canards en plastoc. Oh là là. Oh les crash. Mais c'est n'importe quoi. Oh le défouloir. Wow. Ah ouais, alors là, on a nettement vu le souci de rouler sur un débris. Qui déstabilise le votre bas de caisse en fait. On aurait pu croire que j'avais la ligne droite dégagée, bah pas du tout. Alors là l'illustration elle était parfaite, le plan de caméra aurait pas pu être mieux. Oh là là. Ouais, bien hein, t'as vu ça? Oh là là. Ce jeu de tir. Ça c'est l'arrivée où j'ai malencontreusement poussé ma concurrente alors que j'aurais dû la dépasser. Ah quel idiot je fais, c'est pas croyable. Eh ben je me demande ce que va donner la course suivante, dis donc. Ça promet. Ça promet. Ah, les mérites sont répartis. Moi, je suis le meilleur casseur. Donc, j'ai dû... C'est moi qui, logiquement, ai dégommé le plus de d'éléments dans le décor. C'est fou, ça, quand même.
Ouah, ma propre voiture qui m'a écrasé. C'est trash. Ça, je l'ai pas faite depuis longtemps. Être écrasé par son propre véhicule. J'ai même pas eu besoin de faire de la nitro pour le... pour lui exploser le popotin, celui-là, tellement qu'il était lent. D'ailleurs, la nitro, j'en regardais un peu pour les sauts, ça va être plus impressionnant. Mais voilà, j'ai fait le plein. Rien qu'en faisant les coffres de certains. Voilà, tremplin. Ouch. Oh, ma bétonnière chenille adorée. Wow, c'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Ah, j'ai une muret, pas la bagnole. Bien tenté. Toujours bon d'avoir un petit peu de nitro sous le pied. Oh, magnifique. Oh, superbe. Je peux le dire de manière salace. La petite Célie, je l'ai soulevée. Elle a trouvé ça renversant. La cochonnière. C'est ça. Oui, je craque la Jet. Oui, je craque. Je t'attends. Il faut le savoir. Oh. Voilà, Jet Button, lui aussi, n'en est pas revenu. Oh, mais qu'est-ce qu'il reste en stationnement, lui, il est fou. Ben, c'est bien, je prends la tête de la course, ça m'arrange bien. Non, 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 pas l'arbre. Non. Ah, je me suis encastré. J'arrivais même pas à enclencher la marche arrière. Merde, bah du coup, je suis dernier. Comme quoi, le jeu ne me pardonnera. Oh là 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 là. Pff, ah, de mal en pis. J'assure tellement les cascades que ma jauge de nitro est pleine. Ça, c'est l'avantage. Le problème, c'est que je suis dans les derniers. Vite, 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 faut que je l'attrape. Vite, 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 vite. Je veux pas finir dernier du championnat. Je mérite pas ça. Vite, c'est l'arrivée. Joli. Wow. Wouhou. Ils continuent de m'emboutir, les brigands. Allez, ralenti. Ray Carter qui a fait un tour en 58 secondes et quelques. Et Frank Malkoff qui est mort, en fait, qui a parlé d'arriver. Mais il y a une course précédente, là, la précédente session de jeu, de ça. De Flatout 2, j'avais la moitié des concurrents qui étaient morts. Il y avait 4 arrivants sur les 8 au départ. Ouch. Oh, cet accident avec le paquet de laine de verre qui arrive à côté de moi. Aïe aïe aïe. Spoiler arrière, les longs arrière de ma bagnole par rapport au modèle. J'aurais mis un truc plus carré, puis il y a 500 bancs d'avion en triangulaire. C'est assez osé pour le modèle, je trouve. Oh mon, la ligne de départ arrivée, comment on l'a pulvérisée dans ce tour-là. Oh là là, il y a tout qui dégringole derrière. Il n'y a plus de panneau directionnel, il n'y a plus rien.
Mais j'ai déjà plus. Lui, c'est le deuxième tour. C'est l'avant-dernier ou c'est le dernier, le troisième? Je sais déjà plus. Oh, ah, ah. Comment que je l'ai envoyé valser, la miss? Je regarde les trajectoires de certains. Il y en a qui coupent dans le décor à travers les parkings ou je sais pas quoi. Déjà la ruse de passer sous les tribunes sur le circuit, j'avais pas fait gaffe. Mais non, non, franchement, bien conçu hein, les tracés. Très très bien conçu. Derrière. Et là, ouais, c'est l'entame du dernier tour. Oh, oh, alors, c'est une voiture lambda, mais alors, je l'ai fait valser. Oh, le crash. Là, ouais, les derniers 200 mètres là où je l'usage de la nitro obligé. Ah mince, oui, c'est reparti en boucle, j'ai même pas fait gaffe. Tac, 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 tac. Alors, continuer la coupe. Ah, le canal. Wow, oh, ça va pas le faire là. Wow, wow, je suis en train de le rentrer dedans là. Oh, 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 oh. J'ai dépassé un concurrent par le dessus. Ouh. Je prends superbement des virages, hein, je voudrais pas dire, mais je pilote comme un grand. Un vrai champion. Hein. Je suis pas peu fier de mes trajectoires. C'est rigolo, j'aime beaucoup cette situation. Waouh!
commerçant. Bonne de ma boule, les ma boule de la route. Comment refaire aisément le plein de nitro. Déjà sur le spectacle en même temps. Ça c'est la classe. Aïe aïe aïe, ce débris là m'a pas aidé. Ah, je sais pas où mettre la jambe. Et ma vélocité. Do we go? Ah. Oups, aïe aïe, trop de débris. Alors là, j'ai mal évalué la trajectoire du virage. Je pensais que je pouvais faire un virage serré à partir de là, mais non, j'ai pas mal. En fait, c'est réservé à ceux qui ont pris le tremplin sur la gauche. Bon, bah, je le saurai pour la prochaine. Virage là, je n'accélère pas. Je laisse décélérer parce que sinon je finis dans le sur la, le plan incliné du canal et ça la fout mal. Waouh, comment qu'il m'a bousculé lui. Bien joué de sa part. Ça a fait mal ce terme pour moi. Oh, j'étais déposé comme une fleur. C'est pour Mimi. Non, toi aussi tu fonces. Ouch. Joli. Je finis sur le podium. J'ai le record du tour, vous l'aurez vu. C'est-à-dire de la thune en plus. Je crois que c'est 500 crédits. 500 crédits le record du tour. Attribué. Ouch. Ouais, c'est bizarre comment je me suis foutu de traviole dès le départ. Je ne vous l'expliquerai pas. L'essentiel, soit que je sois parvenu à repartir aussi sec. Mais... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La partie là, l'entrée dans la ville, la partie là, elle est pas évidente. Vous avez vu ma vue de pilote où on voit les hautes herbes avec le tapin central qui n'est pas entretenu. Bah ça aide pas pour prendre de serpents au niveau de l'étage. Bon, il a vraiment eu du bol que je l'ai pas embouti. Parce que il était deux travioles quasiment à l'arrêt au début du tremplin là, quand de la descente. Il a vraiment eu chaud le week-end. Oh, les sauts sont superbes dans le canal. Qui c'est qui est parti valser complètement à gauche? Je sais pas. Oh là là.
Il n'y a plus de terrasse qui surplombe le... Hey, je vais peut-être avoir le prix aussi de celui qui a été le plus grand casseur. Parce que là, d'avoir fait le jeu qui dans la terrasse de café, vu le mobilier qui a giclé en ombre, à voir. On verra au résultat si j'ai ce crédit ou pas. C'est ma faute de conduite. Ouais. Je me suis mangé du mobilier en dur, on va dire. Erreur d'appréciation. Même pas. J'ai juste... Ah non, c'est 1000. 1000 crédits pour le tour le plus rapide. Genre, je pensais être meilleur casseur, mais c'est Frank Malkov, en fait. Ah, c'est fou, hein, comment c'est disputé. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai échoué au pied du podium. Que c'est cruel. 35. Est-ce que je changerai pas de catégorie? Ouais. Allez, je vais changer de bagnole. Ouais, je reprends mon bon vieux Nevada. Et je vais faire un championnat de 3 circuits. Parce que vu l'heure, qu'on soit pas en retard chez FunFan pour les 15h. Bah voilà la spéciale Racing Desert Cup. On va aller dans le désert. Quand t'es dans le désert, et oh mon dieu, il y a le circuit des cimetières d'avion. Ah, le cimetière d'avion, il est redoutable. C'est ma hantise, ce tracé. Refaire le fan. C'est ma hantise. Donc là, c'est un championnat hybride, on va dire. C'est à moitié course et à moitié tour tracé. Les deux comptent. C'est un juste équilibre. C'est, j'ai envie de dire, le pur esprit flat out. Oh, quel idiot! Qu'est-ce qu'il a pas fait là, lui? Oh, le restant de carcasse de véhicule. Mais non, mais non. Ah, le choix à gauche, droite. Ah, ça fait une terrible chicane.
Ah bah je suis bien parti pour remporter la course si je reste comme ça, mais par contre au niveau de casse, il n'y a pas de chance comme ça. Je vais passer par là pour changer un peu. Oh là là, il y a des bagnoles qui étaient garées qui sont toutes retournées comme des crêpes. Ah, 55 secondes, record du tour. Tranquille, ça roule bien. Ils sont juste derrière moi en file indienne. Ah, Sophia qui essaie de nous dépasser. Là, pour le coup, je fais une course propre. Vache, turbo, elle est montée à plus de 200 km/h là. Et on va te calmer. Je lui ai cloué la balle. La malheureuse. On est plus de circulation. Je vais passer par là, ça me réussit plutôt bien. Allez, un dernier tour et puis ça en roule. Merde, j'ai roulé sur un débris. Non, j'étais dans mon rythme de croisière, moi. Vite. La petite Célie qui est quasiment morte. Voilà, j'ai gagné. Je l'ai exterminé. Ah, je l'ai rattrapé à temps, peut-être bien que oui, peut-être bien que oui. Ah, je dérive. Oh, joli. J'ai pas fait l'usage du nitro, c'est pas beau ça. Hop, garé en plus. Garé devant le rocher. Ah oui, j'ai assassiné Shelly. Oh, les recours. Bah pourquoi ils m'ont pas rattrapé? J'ai fait 55 secondes en meilleur tour et eux ils font 50 et ils me rattrapent même pas. C'est du délire. Que signifie? Wow, il y a une grabuche derrière moi, c'est pas possible autrement. J'ai pas d'autre explication. Boxion, très bien.
C'est marrant, là, si vous regardez bien le radiateur de mon véhicule, la plaque avant, c'est marqué WHF. Et à chaque fois, mon cerveau bug et j'ai l'impression de lire What the fuck. WTF. Mais c'est bien un H et pas un T. Oh là là, j'ai plus de phare moi sur mon véhicule. Wow, le feu de signalisation que j'ai propulsé dans le désert. Planté dans le désert depuis trop longtemps. Tu demandes à quoi chercher les yeux bandés. Ce meurtre routier. Rien à redire, je vais gagner ce championnat, je le sais. Oh, alors que du coup j'ai aucun bonus. Je n'en ai aucun. Mais c'est bien, première course, je la remporte. Ah, le cimetière d'avion militaire. Ma hantise. Ouh, concentration. Alors que j'ai déjà merdé mon départ, j'ai presque calé. Premier passage, quand il y a la baie vitrée qui gicle, c'est impressionnant. Et c'est pas forcément une bonne situation que d'être premier au premier tour. Il y a tellement d'éléments à faire péter sur la piste. Oh, elle m'aime bien, Sofia Martinez. Là, elle s'accroche un peu pour moi. Non, je me suis encastré. Ah bah non, je pouvais, j'allais dire merci parce que. Me retrouver avec un bidon ou un tonneau sur le pare-brise, non merci. C'est encore pire que le capot qui reste relevé. Aïe 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 aïe. C'est bidon, c'est ça. C'est bien dit, mon cher Fred. Tiens, j'ai pris l'atterrissage d'un avion. Oula, oula, non. Oui, aïe, 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 aïe. Merde, alors là j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non, je peux pas. Si, attends. Je vais ressortir mais en sens contraire. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien vu. C'était un horrible temps mort. C'est bien la première fois que je merde autant le passage là. Non, je vous dis que je redoute ce tracé. Vous croyez maintenant? S'il y en a bien que je maîtrise pas, c'est celui-là. Allez, mi-course, courage. On entame le troisième et l'avant-dernier tour. Ouh! Thank you.
Ouais, je l'ai rattrapé, mon pote. Mais oui, je l'ai rattrapé. Joli. Il n'y a plus que la moitié de la ligne départ arrivée. Oula, le gros, la grosse turbine, c'est pas bon. Non, j'aurais dû éviter de... Ah, j'ai merdé la zone. Joli. Oh, j'ai refait le premier. Oh, non, non, non. Ce que j'ai fait, ça serait pas. Ah, je serai troisième, tant pis. Bien essayé. Bien essayé. Au moins, je reste sur le podium, c'est de bonne augure. Ah. Aurais-je le... Oui, j'ai record du tour. Voilà. J'étais pas prêt de repartir. Là. On s'amuse comme des petits fous. Merci à vous toutes et toutes d'être là. Je regarde dans mes radars qui est connecté. Wow. Aïe aïe aïe. En fait, c'est les sièges passagers qui m'ont posé préjudice. Comme c'est un espace très restreint avec pas mal de débris, on va appeler ça comme ça. Du coup, dans la physique du jeu, je me suis fait avoir. Et ça m'a complètement cassé dans le dans ma course. C'est vraiment risqué d'emprunter ces passages.
Oh là 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 là, comment j'ai failli merder ma réception, moi. J'ai failli partir en salto avant, totalement incontrôlé. S'en est fallu de peu. Ah bah c'est bien une dernière petite course et puis on sera pile poil dans l'horaire de transition entre nos deux chaînes. Fun fan, c'est cool. J'ai bien calculé mon coup. Ah, meilleur tour, meilleur casseur. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ah, je suis ex-aequo avec Sofia Martinez. Alors qu'on aborde ce troisième et dernier circuit du petit championnat du désert. Côté dans le désert. Tu demandes à quoi chercher. Voyez bander. Hop la dôme. Allez, hop, ça n'a pas pris. Alors par contre le trajet là, je me suis le circuit là, je me suis plus. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Ok, on peut monter sur la tuyauterie, tout va bien. Je ne suis pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce tracé de mort? Alors là, je fais bouillir mon cerveau parce qu'il faut que j'enregistre le tracé et ses subtilités. Ah, ce pont de la mort me dit vaguement quelque chose. Je suis dans le désert. Désorienté, désorienté. Oh, le chariot de l'île est agité comme un cafard. Non, pas moi. Mais... Ah, ils sont dingues, les concurrents, c'est n'importe quoi. Non, je suis trop vieux. Nouveau record, non, t'es sérieux? C'est moi pour le moment qui ai le record du coup. Non, c'est pour moi, c'est vrai. Je refuse d'y croire, oh mon dieu. Aïe. C'est la petite Shelly qui me rend la monnaie de ma pièce. Du moins, elle essaye, la vilaine. La vilaine. Et c'est quand même un poil étroit. Hein. Il n'y a pas deux bagnoles qui passent de front sur la tuyauterie. C'est très culotté comme configuration de tracé. Enfin bon, ça fait tout le piquant de la discipline. Oui. Donc j'évite la partie droite de ce pont pété. À mon avis, c'est beaucoup plus stable du côté gauche. Enfin, le rail de mine qui est défoncé. Ouais. Si je passe par là, ça passe quoi? Oh! Ah! Mais bien sûr! Tout va bien! Tout va bien! Oh, joli! Ce saut! Ça va pas durer, c'est pas possible. J'arrive pas à croire que je vais conserver ma seconde place. D'ailleurs, il est où le premier? Il est même pas dans mon radar. Mais, qui c'est qui est le premier qui s'est envolé loin devant? Qui est le coupable? Qui se dénonce? Qui se désigne? Ah, je le vois au loin. Ah, le pont de la mort. À gauche, serré à gauche. Il faut serrer à gauche si tu peux. Oui, c'est ça. Ou pas. J'ai un max nitro. En faire bon usage. En faire bon usage. Ça peut le faire, ça peut le faire. Tout droit, tout droit, vite. Ouh là là, je lance la barrière. Oui, je le dépasse. Oui, magnifique. Oh, j'ai pas réussi à le doubler. Waouh. J'en reviens pas. Oh, il m'a battu de 9 centièmes de seconde, le salopio. 9 centièmes de seconde qui nous séparent. Mais qui l'aurait cru?
C'est fou, mais j'aurais dû rester instantanément sur la nitro à la dernière droite. Mais alors là, j'aurais répondu plus de rien. Parce que j'aurais propulsé mon pick-up tel une fusée sur la rampe. Et finalement, ça aurait peut-être porté préjudice parce que au lieu de foncer tout droit, j'aurais peut-être foncé dans les airs. Donc j'aurais perdu du temps en fait. J'ai peut-être fait ce que j'aurais pu faire de mieux finalement, à y réfléchir dans la physique. Mais wouh! Content de vous offrir ainsi des spectacles. Là, j'ai même du bol de pas m'être éjecté de mon véhicule parce que on voit que l'arrêt a quand même été brutal. J'ai eu du bol dans mon mal. Ouais, c'est un tremplin. C'est traître, hein. À vue qu'on est au volant, virtuellement parlant. Ce pont-là est traître parce que dans la perspective, on a l'impression qu'il est continu, mais c'est faux. C'est un tremplin qui plus est troué, donc si vous avez le malheur d'atterrir à cet endroit-là, bah, vous finissez sous le circuit. Ce qui est fort incommodant. Wow. N'hésite pas à préparer ton direct, hein, fan. Je vais faire les remerciements d'usage dans 2 minutes. Et à mon avis, la transition de la chaîne se fait dans 5 minutes. Je t'invite à t'installer confortablement, fan, pour la suite de Sang Froid sur PlayStation 1. Et c'est d'autant plus cool que c'est vraiment un jeu que tu me fais découvrir, donc j'avais pas entendu parler. Alors Cold Blood, dans sa version originale, en effet. Mais on arrive vers la fin. Je pense pas que ce soit ton dernier épisode d'aujourd'hui, mais possiblement ton avant-dernier. Et du coup, c'est vrai que t'en baffes pas mal. Bonjour la race moquette, comment que ça va? Sachant que c'est le week-end. Oui, j'ai l'attribution du tour le plus rapide. Et je remporte le championnat en ex-aequo avec Jason. Tiens, alors que tout à l'heure, c'était Sophia qui me tenait tête. Ah oui, magnifique. Waouh, le Royal Flush a été déverrouillé. Bon, moi, je vais bien, merci. Tu vois, je suis peinard, décontracté. Oh, j'ai gagné une tuture. La numéro 27, Bullet. Yeah. Oh, la cochonne 69. La Lentus. La numéro 02, la Ventura. Waouh, je suis qualifié pour la prochaine division. Le niveau 3. Oh, ça, je serai au prochain épisode.
Je dis oui. C'est ça qui est bon. Merci le fun fanounet. Eh ben, merci à vous d'avoir regardé. C'était cool. C'est bien, ça défoule une petite heure comme ça de temps de froissé. Alors que j'essaie d'en faire régulièrement de temps à autre. C'est ça qui est bon. Qu'est-ce que je... Non, je vais essayer... Je changerai mes kédoris tout à l'heure quand je serai hors antenne. Pour repréparer les bibilles. Alors nous, on se retrouve sur une antenne à partir de 18h. Et à mon avis, ce sera plus 19h que 18h. Quitte à faire un peu de rap chez FunFan. Parce qu'il est vraiment dans une phase délicate de la fin du jeu. Mais on va dire aux alentours de 18h30. N'hésitez pas à surveiller mon canal si vous êtes intéressé pour des bibilles. Marble on stream, où j'aurai plaisir d'ailleurs de déguster une mousse en votre compagnie, le plaisir du samedi soir. Et peut-être qu'après les bibis, on jouera les prolongations. Conditionnel, j'en dis pas plus, parce que j'ai peur de m'engager dans quelque chose que je tiendrai pas forcément, mais je me sens tellement en forme aujourd'hui que je vais peut-être faire du rab en soirée. Une fois n'est pas coutume un samedi soir, sur quelque chose qui me motive. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, je vous lis rapidement dans le chat. Oui, t'arrives sur la fin, Lars Maquette. Ouais, pas de bol. Mais je reprendrai, je te dis, mon antenne tout à l'heure pour les bébilles. Et puis sinon, je serai là tout demain. Tout demain. Demain matin, je serai du Final Fantasy. Le début d'après-midi, alors je sais pas si je diffuserai. Parce que je serai peut-être pas dispo avant 16h demain. Je vais peut-être m'interrompre de 13h à 16h demain. Dans la grosse plage horaire d'absence. Parce qu'il va falloir que je dépanne de la famille à distance en informatique, exceptionnellement à ce moment-là. J'en profiterai pour lancer une lessive, d'ailleurs. Et de 16h à minuit, il n'y aura pas de promenade. Je reporte à dimanche prochain. Pourquoi ? Parce que je suis en manque du camion. Et on va arpenter les routes virtuelles américaines en American Truck Simulator en vocale ouverte de 16h à minuit. Je vais pousser jusqu'en soirée. Voili, voilou, ça changera un peu, c'est pas plus mal. Voilà déjà pour le programme de demain. Bon, est-ce que tu es prêt, FunFan? Ah, tu m'as fait un appel, c'est parfait. Mais non, t'es pas une mauvaise spectatrice, Lars Maquette, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas que t'as aussi les rediffs. Tu as mon YouTube, si tu veux. Attends, je te remets les adresses, si tu veux, je remets les liens pour tout à chacun. Bougez pas, j'ai une commande automatisée, je fais ça, clac, clac, clac. Enfin, si j'y arrive, j'y arrive même plus, bravo, tout va bien. Magnifique. Mon truc fonctionne plus. Voilà, j'oublie toujours le U dans YouTube, c'est magique. J'adore faire YouTube. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, vous regardez, les listes de lecture sur ma chaîne YouTube, c'est les jeux vidéo. Hein. Il y a une liste de lecture Flat Out 2, il y a une liste de lecture Les Babies, il y a une liste de lecture, je sais pas, Half-Life. Ou encore Starbound que j'ai fait ce matin avec Petit Seb. Remerciement. Alors, merci déjà pour la modération FunFan Torota. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vais programmer le relais de chaîne alors que j'ai mes fenêtres qui sont pas à jour, c'est pas bien. Tac, 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 tac. Tu m'as dit quoi, Lars Maquette? Je vais voir les rediffs alors pour me rattraper. Tu libres à toi. On a la chance d'avoir le confort, tu vois, en technologie. Et tu pioches ce que tu veux dans mes listes de lecture depuis que je me suis lancé sur Twitch. T'as tout. J'ai rien gommé, hein, je cache rien. Hein. Vous avez tous mes directs. Même s'il y a eu des incidents avec, vous avez des incidents qui vont avec. La totale. Oh, je l'avais pas vu. Cadeau Anthony, adorable, il m'a fait une dédicace il y a 4 jours. Oh, et Roster aussi. Oh là là. Vous êtes des amours, les copains. Merci. Et merci, petit Seb Live, de m'avoir accompagné ce matin dans Starbound, dans nos aventures intergalactiques, et pour le relais de chaîne qui s'en est suivi lorsqu'il est parti déjeuner. Relais de chaîne pour FunFan. Tiens, en ce moment, petit Seb, il fait lui du How to Survive 2. Mais nous, on continue chez FunFan. Pour avoir du... Aucun résultat... Oh, t'as pas lancé, FunFan, t'es en retard. Je te mets la pression. Mais c'est bizarre, tu m'as fait un appel et je t'entends pas. C'est moi ou t'as un bug?
Ah, j'ai mal cliqué, c'est ma faute. Oh, je suis désolé, j'ai mal cliqué. Du coup, là, tu devrais m'entendre. Je t'entends. Ouais, je te laisse préparer ton direct. Allô, allô. Allô, ah. M'entendez-vous? La journée, 10 problèmes, attends. Alors, je ne veux pas comprendre. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai eu un problème, en fait, si j'ai pas lancé, c'est parce que le jeu a eu du mal à détecter ma manette. Je me demande si elle n'est pas en train de montrer des signes de fatigue. Et heureusement, de toute façon, j'ai une manette de PS3 de secours en cas de problème. Mais... heureusement, ouais. Tu m'étonnes. Donc, voilà. Ça y est. Mais ça a mis du temps à détecter. Il a fallu un peu que je gruse. Alors, juste, je mets mon téléphone et coucou à la race moquette. À la race moquette. La race moquette. Si elle suit le raid ou pas. Si elle ne suit pas le raid, bonne journée à elle. Ouais. On va aller chez FunFan pour un jeu vidéo PlayStation 1 d'infiltration avec Grand Suspense. C'est un quasi-thriller, d'ailleurs. Ah oui, c'est science-fiction. C'est ça qu'il est considéré comme un thriller. Oui, il est bien écrit, il est bien rythmé. Ah bah, à propos de rythme, on va en avoir du rythme. Ah bah, ouais. On est avec un. N'oublie pas qu'on est avec un compte à rebours, donc. C'est vrai. On doit libérer notre amie la chinoise. On a déjà libéré une fille et on doit libérer une deuxième. Eh bien, on est James Bond, on libère les femmes. Tu as effectivement une demi-heure de compte à rebours, exact. Ça va mettre du piment, encore davantage de piment à ton aventure. Alors moi, pendant que le relais de chaîne se fait, je vais ressortir mes fiches, surtout la Solus pour toi, que je puisse te guider au possible. Et après, je lance. Ça y est, le relais de chaîne s'est fait de mon côté. 200 froid. Coucou le baron, je vois que tu es là, coucou. Donc on était avec notre ami. Donc j'espère que la manette, elle a eu juste du mal à démarrer maintenant. Elle va pas me lâcher en cours de route. Parce que sur un compte à rebours, ce serait... Merci d'avoir regardé, ciao. Je coupe l'enregistrement.